Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser quelque chose. Cette vidéo n'a pas été faite pour porter un jugement, mais juste pour donner un avis. En ce qui concerne la consommation d'alcool, je le dis, faites-le avec modération. Mais pour ma part, je ne bois pas d'alcool depuis plusieurs années. Pourquoi j'ai arrêté de boire de l'alcool? Eh bien, c'est très simple. Lorsque l'on a envie de progresser en musculation, il y a des choix à faire. Des choix très simples. Très simples, mais peut-être un peu radical pour certains. J'ai arrêté de boire de l'alcool juste parce que j'avais envie de progresser. Je dis bien progresser. Lorsque l'on boit de l'alcool, on a toujours des répercussions. En ce qui concerne le vin, il y a les maux de tête, la peau qui se met à changer de couleur au bout d'un certain temps. En ce qui concerne la bière, les maux de tête, évidemment, la prise de gras, le ventre qui se met à gonfler. Tout ceci m'a fait prendre de sérieuses décisions et m'a fait arrêter la consommation d'alcool, telle qu'elle soit. Bière, liqueur, etc. Aujourd'hui, je n'en bois plus. Et depuis que j'ai arrêté, je constate une nette amélioration au niveau de mes performances et au niveau aussi de mon endurance. Il faut se poser une question. L'alcool contient énormément de sucre, ce que je combats aujourd'hui. Pourquoi est-il préférable de boire de l'alcool à une température très basse? Attention, quand je dis préférable, je ne dis pas qu'il faut le faire, tout simplement. Eh bien, c'est simple. Boire de l'alcool à une température très basse permet de camoufler l'excès de sucre. Il est vrai que l'on ne peut pas boire, du moins pour ma part, lorsque je buvais, essayez de boire une bière chaude et vous allez voir. Le fait de boire ce genre de boisson frais, permet en fait d'anesthésier la langue, ce qui fait que l'on ne ressent pas l'excès de sucre. Ce qui nous rend accro à l'alcool, pour ma part, je pense que c'est le sucre qui est à l'intérieur. Alors si vous avez envie de progresser, vous n'avez qu'une chose à faire, arrêtez tout de suite. Je sens que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, je pense que je vais avoir pas mal d'ennemis, ça c'est clair, mais du moins c'est ce que je pense. Mais comme je l'ai dit, je ne porte aucun jugement. Si vous avez envie de boire, vous êtes libre de le faire. Si vous avez envie de progresser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut mettre un frein à certaines pratiques. Pour ma part, je ne bois plus d'alcool, tout simplement par envie de progresser dans mon sport qu'est la musculation. Et je peux juste dire que mes lendemains sont nettement meilleurs que ceux que j'ai connus la veille d'un apéro, la veille d'une fête très alcoolisée. Il est clair que sans alcool, comme disent certains, la fête est plus folle. Pourquoi se faire autant de mal? Pourquoi se faire du mal au niveau du cerveau, au niveau du foie, peut-être même au niveau du rein, au niveau des reins, pardon, et aussi au niveau des intestins? Réduire sa consommation d'alcool, voire même la stopper, je pense que c'est une bonne solution pour progresser, pour mieux se sentir, pour être en forme. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, mais surtout de vous abonner. Car, comme je l'ai toujours dit, sans vous, rien ne se passe. Je vous laisse avec ces quelques vidéos qui montrent l'état dans lequel on se trouve lorsque l'on a trop bu. Amis du jour, amis du soir, au revoir. Oh, dans le mille. Ah, il a touché la cible. Je suis plus loin. Oh, tu veux de l'eau?